Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog, nouveau vlog lecture. Et depuis euh, le dernier vlog, je suis partie en vacances. Voilà, c'était bien. <laughs> je suis partie en vacances dans le bassin d'Arcachon, qu'on ne connaissait pas du tout. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'était très, très chouette. On a, euh, on a profité du soleil, de la piscine, de la mer. Euh, globalement, on a vraiment eu beau temps, ça tombe bien, euh, parce que c'était pour ça qu'on allait là-bas. Euh, voilà, j'ai aussi euh, lu et euh, je, vais vous... je vais vous parler des livres que j'ai terminés euh, en vacances, que j'ai lus ou terminés en vacances. donc euh, J'en ai... ai lu trois complètement et j'en ai terminé un. Et puis, euh, après, je vous parlerai d'un autre livre que j'ai commencé, enfin, que même je vais finir euh, très vite là. Et euh, et puis voilà, je vous parlerai plus tard d'autres petites choses. J'ai toujours plein de choses à vous dire, hein, surtout sur la partie <laughs> sur la partie euh, lecture. Il y a toujours plein de trucs à, à raconter. Euh, alors, j'ai lu le troisième tome de Son espionne royale. Donc, euh, son espionne royale et la partie de chasse chez la bête noire de Rice Bowen. C'est un Cosy Mystery. Euh, donc, euh, comme souvent avec les Cosy Mysteries, je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre. Il y a un fil rouge, donc euh, c'est assez sympa à suivre. Ça se passe à Londres. Euh, ce tome se passe en 1932. On, re, on a toujours Georgie qui est le personnage principal, qui est la 34e héritière du trône britannique. Et, euh, et donc, en fait, en tant que, que héritière du trône britannique, eh bien, elle a certains euh, privilèges, euh, elle a euh, certaines fréquentations, etc., etc., mais, à côté de ça, elle n'a pas de sous, et euh, elle, elle essaye de se débrouiller comme elle peut pour, pour en avoir un petit peu, et pour pouvoir vivre, euh, manger, euh, des choses comme ça. Voilà. <laughs> donc, euh, donc, voilà, c'est assez sympa. Là, euh, ça, euh, en fait, elle, elle, euh, Bon, elle a une idée pour gagner des sous qui est assez euh, un petit peu limite, limite, limite. Et euh, elle, euh, elle est amenée à partir, on ne sait pas trop si c'est lié à ça ou pas, mais elle est amenée à partir en Écosse, euh, dans le, le, bah, le château où est son, son frère et sa belle-sœur qu'elle ne supporte pas. Et, euh, enfin, qui, plutôt, la belle-sœur est insupportable, hein, c'est plutôt dans ce sens-là. Et euh, et du coup euh, c'est c'est assez enfin euh, c'est pas mal parce qu'on retourne justement en Écosse euh, on voit à nouveau la reine le roi les 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 enfants euh, etc euh, du coup j'ai pas mal été euh, jeter des coups d'œil sur euh, Wikipédia et pour regarder un peu qui était qui euh, je savais plus enfin euh, euh, voilà nous on connaît euh, on connaît le prince Charles, on connaît William, on connaît Harry, euh, on connaît Kate, on connaît les, les, encore plus les, les descendants, les petits, voilà. Euh, en plus, enfin, bon, euh, moi, j'ai quasiment le même âge que, que William et Harry. Euh, ils se sont enfin, William s'est marié quand j'étais euh, enceinte euh, de ma fille aînée. Les enfants ont à peu près à le même âge. Enfin, voilà. Bon, c voilà. Donc, je, je regardais ça. Euh, euh, avec, euh, avec intérêt, euh, voilà. Et euh, enfin, avec intérêt, je ne suis pas incollable du tout, hein, euh, mais, euh, mais bon, c'était euh, assez, assez rigolo. Donc, ça, voilà, ça, ce côté-là, ça va, je connais assez bien et tout. Après, dès qu'il s'agit de parler euh, des frères et sœurs, euh, déjà de, de, du prince Charles, je ne sais plus trop. Euh, et ensuite, au-dessus, bah. Euh, euh, les frères, enfin les, je crois qu'Elisabeth a une sœur en plus. J'ai pas regardé la série The Crown. Je pense que certains sont beaucoup plus euh, calés que moi sur tout ça. Et puis voilà. Enfin, du coup, voir euh, de de là en 1932, on parle notamment de la reine Marie. eh bien, euh, comment comment ça se décline en fait Fin. Euh, Enfin, euh, euh, comment ça se décline Quels sont ses descendants Et puis quand on parle de telle personne, euh, à qui ça correspond. Et puis euh, on parle notamment bah, l'un des fils de, du roi et de la reine, euh, qui est assez... Euh, Enfin, qui, qui cherche à, à épouser ou plutôt une actrice américaine cherche à se faire épouser et euh, derrière euh, comment comment ça s'est passé. Enfin bon bref, j'avais besoin un peu de, de remise à jour et donc c'est pour ça que j'ai pas mal été euh, regardée. Euh sur wikipédia <laughs> pour remettre les choses dans leur contexte et je pensais pas qu'il y avait des choses qui étaient aussi vraies que ça voilà donc, euh, donc j'ai beaucoup aimé et du coup je me suis acheté le tome 4 dans une belle librairie à Arcachon la librairie des marquises et euh, parce qu'on a acheté beaucoup de livres hein, quasiment 30 livres sur place quand même et, euh, et donc alors tout n'était pas pour moi c'est principalement pour les enfants on a fait de très 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 belles découvertes j'ai fait un petit réel que j'ai mis sur instagram Enfin, en fait, au moment où je vous parle, j'ai pas encore mis, mais il est monté, il est prêt à, mettre, à être mis dans la journée. Et, euh, et des très belles découvertes, en fait. C'est très rigolo de voir euh, autant pour des livres adultes. Je trouve qu'on va trouver euh, bah, cette série dans quasiment toutes les librairies, euh, les Agatha Raisin, mais également, euh, enfin là, je vois ce que j'ai sur ma table, euh, ma petite table. Il y a Melissa Dacosta, donc ça on va trouver. Du Zoo et Brisby, euh, voilà, voilà, on va trouver tous ces trucs là. Il euh, n'y a pas de souci, on va trouver dans toutes les librairies. Alors que je trouve que la sélection euh, vraiment enfant, que ce soit pour mon fils qui va avoir 8 ans ou pour ma fille aînée qui a 10 ans, je trouve que cette sélection change énormément de librairie en librairie. C'est-à-dire que chacun peut proposer, euh, je sais pas, 100, 150, 200 titres par euh, tranche d'âge et euh, par tranche d'âge, par genre, parce que c'est quand même... Euh, c'est pas toujours très mixte. Enfin bon, après, ça dépend de ce que chacun de des de, de, de soins de chacun aussi. Mais euh, c'est vrai que pour les filles, euh, ma, ce que ma grande aime bien, c'est euh, euh, alors les quatre sœurs, ou alors des... Euh, comment ça s'appelle Un truc avec des filles. Ma vie, mes copines. Voilà, bon, bah ça c'est pas des choses qui intéresseront mon fils. Euh... Mais en fait je trouve que ces, ces sélections changent radicalement en fait d'une librairie sur l'autre euh, ce qui est assez surprenant comme s'il n'y avait pas de, de, de collection phare en fait euh, et euh, alors que côté adulte bah, on se retrouve un peu avec beaucoup de livres communs en fait. Euh, voilà, donc euh, donc le tome 4 est acheté et on a prévu de le lire à la fin du mois en lecture commune. Donc si ça vous intéresse de nous rejoindre pour lire la, le tome 4, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur Instagram et je vous ajouterai à la, dis à la discussion euh, sur Instagram. Voilà. Une, lec une lecture commune, on en parle souvent. Euh, alors de mon côté, je fais des lectures communes sans trop de prise de tête, c'est-à-dire qu'on débute euh, le jour indiqué ou le lendemain, selon comment chacun est à jour dans sa lecture. On essaye de débuter à peu près ensemble et puis on échange sur, sur notre lecture au fur et à mesure en faisant attention à pas trop se spoiler. Et puis une fois que tout le monde a fini, on en parle de façon plus ouverte. Et, euh, mais c'est toujours assez intéressant, je trouve, de, de pouvoir échanger. Voilà. <laughs> Euh, alors, sinon, j'ai lu pendant les vacances celui-ci, le premier tome d'une enquête de Love Day et Ryder de Faith Martin. Et ce titre, c'est Le Corbeau d'Oxford chez Harper Collins Noir. Voilà, c'est un livre qui est pas très. pas très épais, hein. On a 300. 300 pages. Voilà, 200. 298 pour être exact, 299 en intégrant euh, les euh, remerciements. Euh, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors on l'a lu en lecture commune. Il y a eu un peu une discussion autour de est-ce un Cosy mystery ou n'est-ce pas un Cosy mystery euh, Parce que ça fait, euh, en fait, ça va dépendre de euh, est-ce que les Agatha Christie sont des Cosy mystery Qu'est-ce qu'un Cosy Mystery enfin, voilà. euh, Moi, c'est vrai que j'ai tendance à me dire que les Cosy Mystery, enfin pour moi, les, les premiers en fait euh, à, à être arrivés en France, ce sont les Agatha Raisin avec euh, des couvertures euh, hyper, enfin euh, des couvertures très britanniques en fait et des histoires euh, bah, très britanniques aussi avec des enquêtes euh, mais de façon un peu légère, euh, beaucoup de thé, beaucoup de, 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 de comment dire, un, un côté village, euh, euh, des, euh, des amis, des ennemis, euh, des choses, enfin. Euh, euh, on fait une fête, euh, bah, ça, 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 c'est un, très agatarisant. On fait une fête, euh, on apporte des plats euh, faits maison, euh, et puis, oh mince, il y a une quiche qui est empoisonnée, enfin bon, bref, des, des choses un peu comme ça. Et donc, j'ai tendance à me dire que bah, les Agatha Christie pour moi ne sont pas vraiment des cosy mysteries. Donc, en partant de cette définition-là, ça voudrait dire que pour moi, celui-ci n'est pas un cosy mystery parce qu'on n'a pas ce, ce code un peu, enfin, c'est une enquête policière, voilà. Après, la couverture, elle est super sympa. J'avais fait des, des photos. Et je regrette de ne pas l'avoir utilisée pour, pour Instagram. Une photo... Enfin, euh, quelques photos au bord de la piscine. Euh, C'était trop beau. Les couleurs, elles, elles allaient trop bien avec. Euh, vraiment, très, très sympa. Voilà. Euh, ouais, enfin, comme je vous dis, la, la couverture, police de caractère. Enfin, très, très agréable à lire. Euh, L'écriture, elle est vraiment chouette. Euh, on est tout de suite dans, pris dans l'histoire. Enfin, c'est... Euh, euh, j'ai beau lire euh, pas mal de livres, enfin euh, même si j'aimerais en lire davantage, il y a toujours ce truc de bah, en fait moi vraiment je finis un livre et dans la seconde d'après, j'en prends un nouveau, je l'ouvre et j'y vais. Euh, je ne fais pas une coupure d'une demi-journée entre chaque lecture, je les enchaîne. Et donc, il bah, y a un moment donné où, euh, quand je dois euh, m'installer pour lire un livre que j'ai déjà commencé, il bah, y a un côté assez confortable, hein, je continue ma lecture, je suis déjà dedans, donc très bien. Et puis, y a, euh, quand je dois commencer un nouveau livre, il bah, y a ce côté de, on rompt la routine et ça va demander un... Un effort. Ça va demander un effort parce qu'il va falloir se mettre dans une nouvelle histoire. C'est quand, quand, enfin, les livres que je lis, c'est des livres que j'ai envie de lire, donc c'est un effort qui n'est pas désagréable. Mais, euh, c'est quand même quelque chose de moins confortable que d'être déjà dans une lecture et, et de la poursuivre. Et, et là, euh, on est tout de suite pris par la main, quoi. Enfin, vraiment, il n'y a pas de questions à se poser on ouvre le livre et tout de suite, on est pris dans l'histoire et on a envie de savoir ce qui va se passer, etc. Donc là, en fait, ça se passe à Oxford, <laughs> on pouvait s'en douter, en 1960, ce que je trouve assez original au niveau de, de l'époque. Et en fait, on a d'un côté, eh bien, Love Day, euh, Love Day... Euh, euh, Trudy Love Day, qui est une jeune policière, elle est stagiaire, c'est une femme, stagiaire, voilà, donc, euh, elle a... Elle a... Bah, on, peut partir, on peut dire qu'à cette époque-là, elle a un peu deux handicaps entre guillemets quoi, hein, non seulement le fait d'être une femme et puis en plus le fait de d'être de, jeune et euh, donc c'est des choses qui sont pas évidentes, donc par défaut, bah euh, tout le monde la prend un peu pour une gourde. Elle doit faire deux fois plus d'épreuves que l'ensemble du monde, enfin euh, que le reste du monde. Bon, c'est voilà, c'est un peu un peu compliqué, euh, du coup, euh, c'est pas, euh, elle part pas gagnante. Hein. Donc euh, on lui donne des affaires un peu euh, voilà, puis euh, faut faut l'occuper parce qu'en plus euh, elle est pénible parce qu'elle est assez active, elle aimerait, euh, euh, ça, elle a un côté un peu chien fou quoi, mais euh, bah, elle ennuie un peu ses supérieurs, quoi qui euh, ne voit pas en elle un certain potentiel et qui voit plutôt euh, pff, le boulet qu'il faut se traîner. Et puis de l'autre côté, on a le docteur Clément Clément-Ryder, qui est un, un ancien médecin et qui est devenu euh, coroner pour euh, plusieurs raisons. Et euh, en fait, il y a une affaire en cours. Il y a eu euh, une mort euh, qui paraît être un meurtre, hein, quand même, <laughs> vu comment la personne est, est morte. Et, euh, et en fait, au cours de ce meurtre, ah, il voit des personnes, enfin, il voit, il voit une personne qui lui rappelle euh, une ancienne affaire, parce qu'en fait, il, il voit une femme qui lui rappelle vraiment quelque chose. Et il tient ici, mais si, je l'avais déjà vu dans une affaire euh, classée euh, à laquelle il avait assisté vraiment en tant qu'observateur hein, au début de sa carrière de coroner, qui en fait était euh, une seconde carrière pour lui. Euh, une deuxième vie professionnelle quoi et, euh, et donc euh, bah du coup il il ça, ça le titille parce qu'en fait il se souvient très bien que dans cette affaire il y avait eu beaucoup de mensonges et qu'en fait l'affaire avait été classée mais lui il l'aurait pas géré de cette façon là le problème c'est qu que il n'est que coroner et euh, bah c'est pas assez pour pouvoir enquêter donc, euh, il va au commissariat, puis voilà, il demande si on peut pas lui, euh, lui prêter quelqu'un, euh, juste pour être légitime, pour pouvoir un peu euh, enquêter euh, dans l'ombre, quoi. Ce qui tombe très bien, puisque bah, les supérieurs de Trudy Loveday n'ont qu'une seule envie c'est de de, de de pouvoir l'écarter de, de du commissariat pouvoir l'occuper et euh, et donc voilà ça tombe bien il, il donne euh, au coroner un, un élément euh, pas du tout indispensable et euh, du coup ils peuvent s'en débarrasser et tout le monde est content eux et le coroner sauf qu'au final eh bien c'est une personne qui a quand même du potentiel et euh, qui prend goût à l'enquête il lui manque juste de l'expérience expérience que le docteur Ryder a et donc qui vont former un duo euh, très très appréciable, très euh, très bienveillant, avec une relation très paternelle que j'ai beaucoup aimé. Euh, le docteur Ryder, il a des petits côtés Hercule Poirot avec euh, des déductions, etc. Et enfin, euh, il a le côté un peu Hercule Poirot, mais derrière, il ne va pas, enfin, euh, il va quand même aider euh, euh, Trudy à monter en compétence, en fait. Euh, il la prend vraiment sous son aile. Et il voit qu'elle a du potentiel, donc il a envie de l'aider, et il lui donne les billes que lui a, grâce à son expérience. Donc c'est un, une très chouette collaboration. Et au niveau de l'histoire, eh bien, on a euh, un... un un homme riche dans le village euh, qui reçoit des lettres de menaces euh, voilà et euh, donc on lui dit votre fils va mourir à tel jour à telle heure votre fils va mourir tel jour à telle heure donc euh, voilà du coup euh, tout le monde surveille euh, euh, sa maison son fils et tout ça euh, ce fameux jour à cette heure-là et puis en fin de compte il se passe rien en revanche, quelques jours après, on apprend qu'il bah, y a eu un meurtre ce jour, à cette heure-là, mais en fait, c'était pas le fils euh, qui était surveillé, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et donc, il y a forcément une enquête, et voilà. Et au niveau de l'enquête, c'est sympa aussi. Enfin, au niveau du dénouement, c'est pas mal. C'est pas seulement euh, une histoire sympa pour, euh, pour le côté euh, agréable de la lecture. Non, l'enquête, elle tient, elle tient debout. elle est, Le dénouement, il est assez chouette. Enfin, voilà. Très, très belle découverte, et euh, bah, je vais continuer cette série. Une nouvelle série euh, de plus, <laughs> donc, voilà donc si vous connaissez, euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je crois qu'il y en a quatre euh, pour l'instant. Euh, celui que j'ai également euh, commencé et fini euh, sur place, c'est l'affaire Protero d'Agatha Christie. C'est un Miss Marple, c'est le premier Miss Marple. Il a un côté euh, alors c'est marrant parce qu'il y a quand même des petits points communs avec le corbeau d'Oxford euh, même si ça se passe euh, pas, pas tout à fait à la même période en fait on est dans un village avec euh, le le pasteur euh, qui est le narrateur et euh, on a le colonel Protero dans ce village. Qui, franchement agace tout le monde mais agace tout le monde au point où plusieurs personnes ont dit ce serait tellement mieux s'il était mort ah, qu'est ce qu'on vivrait mieux s'il était mort ben, vous voyez ce truc là ce serait plus simple si ce colonel était mort et puis et eh bah ben, ce colonel meurt mais il meurt pas comme ça il meurt assassiné qui a commis ce meurtre euh, voilà c'est euh, c'est c'est euh, toute euh, toute l'histoire sachant que plusieurs personnes avaient un peu intérêt, en fait, à, à ce que ce colonel meure. Bon, bien sûr, il y a des personnes qui avaient plus d'intérêt que d'autres, mais bon, euh, voilà, il y a un côté un peu huis clos, on est dans un village, et euh, dans ce village, eh bien, il y a des vieilles dames qui aiment bien observer ce qui se passe dehors, par la fenêtre, etc. Et euh, Miss Marple fait partie de ces dames-là. Donc, elle est décrite un peu comme une vieille dame. Euh, euh, justement euh, qui va mettre son nez partout, euh, euh, qui sait tout surtout parce qu'elle observe et tout, et euh, qui n'hésite pas à le dire. Alors que, dans les nouvelles, le Club du Mardi continue, Miss Marple au Club du Mardi, qui sont euh, des histoires écrites juste après ce livre-là, donc quasiment dans les mêmes périodes, Miss Marple est plutôt décrite comme une personne, oui, qui habite dans un village, qui connaît la nature humaine parce qu'elle a observé, mais qui est pas tout le temps derrière son rideau euh, dès qu'elle entend euh, trois petits bruits, quoi. Enfin, voire même quand elle entend rien du tout, l'histoire d'observer ce qui se passe. Donc euh, c'était assez perturbant en fait cette différence de description entre euh, d'un côté euh, elle met son nez partout et elle n'hésite pas à prendre part et de l'autre côté euh, la description où euh, non euh, non elle n'ose pas résoudre une enquête parce qu'il faut bien se dire qu'elle euh, elle sait pas trop, euh, elle est discrète, etc. Bon. <laughs> Mais mis à part ça j'ai beaucoup aimé une ambiance très 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 euh, le meurtre de Roger Acroyd et du coup ça m'a perturbée parce que étant donné que c'est mon livre préféré, euh, et que je connais très bien du coup le dénouement, ça m'a perturbée ça m'a un peu, un peu influencée euh, sur, euh, sur le dénouement de celui-ci, alors qu'en fait c'était pas du tout le même. Et euh et euh, c'était pas la première fois que je le lisais donc au final il y a un moment où je me suis dit ah non mais en fait c'est vrai que on n'est pas dans le meurtre de Roger Ackroyd, on est dans l'affaire Protero et maintenant je me souviens de ce qui s'est passé voilà ça c'est un peu ma lecture c'est un peu passé comme ça mais j'ai beaucoup aimé vraiment cette ambiance euh, un peu huis clos mais c'est euh, euh, parce que ça se passe dans un village quoi donc, euh, donc voilà très très sympa donc l'affaire Protero que j'ai lu dans le cadre du challenge Red Christie 2021 pour le mois de juillet Ensuite, un livre que j'ai terminé, ça fait beaucoup là, <laughs> il aurait peut-être fallu que je fasse une autre vidéo qu'un qu vlog pour vous parler de tout ça. Un autre livre que j'ai terminé, euh, il a fallu se forcer un petit peu, c'est Bon baiser de Brooklyn de Cécilie Zéguesard chez Michel Lafon. C'est l'autrice de Gossip Girl que j'avais beaucoup aimé qui avait été, enfin bon, je me rappelle pas tout, ça fait très longtemps hein, que, que j'ai lu euh, la série Gossip Girl, je sais même plus si je les avais lus, tous lus, mais euh, c'est il euh, y avait de l'humour et tout, enfin voilà, il y avait un côté euh, assez... enfin euh, que j'avais bien aimé. Là, euh, c'était totalement différent. En fait, ça se passe à Brooklyn et on a euh, des couples euh, voilà une quarantaine d'années euh, qui se côtoient mais alors c'est des couples loufoques donc euh, on en a on a un écrivain qui vit tout le temps dans son dans le livre qu'il doit qui doit écrire et donc euh, il part dans des trucs vraiment loufoques. Bah tiens, ça va se passer sur Mars. Ah bah tiens, le mariage sur Mars, ce sera différent et en fait, un homme se marie avec deux femmes en même temps. Et en fait, euh, tiens, on va faire ça Voilà, des trucs mais euh, un peu lunaire. Donc on a lui, on a une ancienne rockstar euh, voilà qui est mariée à à une femme qui simule une grave maladie euh, et euh, qui euh, du coup euh, se soulage de cette fausse maladie en euh, fumant un peu tout et n'importe quoi ou en prenant des cookies avec pas mal de substances dedans voilà donc ça c'est un autre couple. On a un couple euh, euh, qu'est-ce qu'on a comme autre couple parce qu'on dit qu y en... Ah oui voilà c'est ça. On a une, euh, une infirmière qui est totalement fan de cette euh, qui était fan en fait de cette rockstar et euh, qui est prête à tout en fait pour satisfaire les, les besoins de cette rockstar et qui est mariée à quelqu'un de d'extrêmement introverti. Bon à la limite c'est peut-être ceux qui sont les plus normaux mais bon, voilà. Et puis enfin les plus normaux les moi, les plus communs. Et puis on a un couple d'artistes très enfin un inventeur et une artiste, très 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 artiste, et donc euh, qui va chercher dans le moindre petit truc à faire euh, une exposition, une, euh, une scène artistique qui lui permettra de se mettre totalement en avant, et qui, voilà, et qui va rechercher le sensationnel, le, le, le choquant, le, voilà. Et donc, euh, c'est très bizarre, très lunaire. Voilà, alors certains de ces couples ont des enfants, d'autres pas, donc on suit un peu les enfants qu'on dévie hum, Presque plus normal quoi, quoi qu y ait un enfant pyromane, mais bon voilà. Euh, donc c'est très bizarre, ça, ça fait un peu décousu, c'est... Malgré tout ça, ça se lit bien, c'est-à-dire que quand je me, je me mettais dans le livre, je lisais 50 pages sans m'en rendre compte. Voilà. Bon. Donc euh, ça se lit en fait, et je l'ai lu jusqu'au bout. On a fait une lecture commune et globalement, on est beaucoup à avoir pensé ça. Euh, dans les autres avis de personnes que j'ai vues qui ne faisaient pas partie de la lecture commune mais qui ont posté leur avis sur Instagram, beaucoup ont pensé ça aussi. Voilà, donc je, je l'ai lu jusqu'au bout, mais pourquoi Quel est l'intérêt du livre L'humour, je l'ai retrouvé un tout petit peu, c'est ce fameux humour qu'on avait de Gossip Girl, je l'ai retrouvé à certains endroits, mais vraiment, il fallait chercher. Donc. Pas trop d'intérêt, quoi. Voilà, je c'est dommage. Enfin, ça, c'est dommage. C'est un livre où euh, je sur service presse, c'est à dire que je me suis c'est avec Michel Laffont. En fait, on s'inscrit pour recevoir un livre en service presse, et ensuite certaines personnes sont sélectionnées pour le recevoir. Donc, ça m'ennuie quelque part de dire euh, Voilà, je j'ai je, postulé pour avoir un livre, euh, j'ai été retenue pour le recevoir, et une fois que j'ai reçu, je l'y m'a pas plu. Mais il m'a pas plu. Et voilà. Alors comme je vous dis, ça se lit bien, ça pourrait être largement pire, hein, mais c'est loufoque, c'est beaucoup de, de, de fumettes à gogo, c'est euh, très lunaire. Bon, il y a pour une partie, il y a un peu quarantenaire euh, qui n'accepte pas trop de vieillir. Euh, je sais pas, c'est bizarre. C'est très bizarre. Voilà, donc ça c'est euh, ce que j'ai euh, lu, ce que j'ai fini pendant ma semaine de vacances, la semaine dernière là. Et sinon j'ai commencé et quasiment terminé puisqu'il me reste ça, comme dans un roman d'été euh, d'Emilie de, Henry chez Cherche Midi. Et j'aime ai, beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Non, je ne peux pas vous dire que j'ai beaucoup aimé, je ne l'ai pas fini encore, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Euh, bon, je vous en parlerai un peu plus tard, parce que là, je vous parle depuis longtemps. Il va falloir que je libère le reste de la famille qui se sont isolés en, haut en regardant les JO. Mais euh, voilà, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Et je vais avoir aussi plein d'autres petites choses à vous dire. Je crois que ce vlog va être long, en fait. Hein. Voilà, allez, à plus tard. Alors je retrouve, on est lundi et je voulais parler des différentes piles qui sont sur ma table basse. Euh, voilà. <laughs> Alors ici nous avons les livres en cours en ce moment. Euh, donc les enquêtes de Lady Rose que j'ai commencé ce matin que je lis avec euh, Elodie Universe. Euh, Lorsque le dernier arbre de Michael Christie que je vais finir tout à l'heure qui est euh, un livre de la rentrée littéraire, il est trop bien. Les devis de Lydia Bird de Josie Silver que j'appelle pas trop avancé depuis la dernière fois et j'ai commencé je revenais des autres de Melissa d'Acosta dans une lecture commune organisée par The Eden of Books si je ne me trompe pas sur son pseudo. Donc ça c'est le premier tas. Voilà bon concrètement les deux premiers vont rejoindre le canapé dans deux secondes parce qu'ils étaient là mais je les ai mis dans, dans mon tas pour vous montrer ça. Euh, alors ici on a un autre tas de livres. Hop ce sont les livres que je dois lire au mois d'août. Voilà. C'est-à-dire que euh, ça, c'est une lecture commune organisée par Estelle de lectrice ça, c'est un livre de la rentrée littéraire, ça, c'est le Agatha Christie du mois d'août, ça, c'est une lecture commune que j'organise, ça, c'est une lecture commune que j'organise, euh, plutôt fin août pour les deux, ça, c'est un livre de la rentrée littéraire, livre de la rentrée littéraire, livre de la rentrée littéraire, euh, livre que j'ai reçu en service presse que j'aimerais lire assez rapidement, La Dame de l'Orient Express, euh, D'ailleurs, je suis en train de me dire, je crois qu'il y en a un autre que j'ai oublié. Euh, ah, euh, oh, je ne sais plus. Euh, L'enfant du train et mortelle douceur aux éditions City. Si, il y en a peut-être un autre que j'ai oublié, c'est Miss Silver Entre en scène, organisée par Petite Lectrice pour une lecture commune. Bon, je regarderai après. Euh, voilà, donc ça, c'est ceux que, enfin, voilà, qui sont, qui sont prévus, que je dois caser. Sur, euh, sur le mois. Voilà, on est quand même le 9 9 août. <laughs> euh, donc euh, j'ai ça en cours et ça que je dois lire. Ça, c'est ceux que j'aimerais lire et qui sont pas prévus, qui sont pas... Voilà, que je caserais entre deux ou je ne sais quoi. Voilà, ceux-là, c'est ceux qui me tiennent à cœur, que je voulais vraiment lire cet été. Mais en fait, l'été est passé bien vite euh, et j'ai bah, lu que 10 livres au mois de juillet. Hein, alors que d'habitude j'en lis plus que ça. Donc euh, voilà, donc on a euh, bah, le livre euh, Lettre d'une inconnue euh, que Florence m'avait offert, Maman Maria, euh, un livre de Lorraine Fouché La fille de la supérette, euh, Les gens heureux lisent et boivent du café qui serait mon premier, Agnès Martin Lugan. Mon premier, Sophie Tellman, Les yeux couleur de pluie. Un petit Zoé Brisby, euh, ce qui me permettra de les avoir tous lus une fois que j'aurai lu celui-ci. Le premier, Romain, Romain Puertolas. Euh, J'avoue que ça m'intrigue un petit peu. La commode au tiroir de couleur. J'avais quand même assisté à sa lecture euh, musicale euh, à Paris. C'était trop bien, donc j'aimerais bien quand même le lire. Et puis la chronique des Bridgerton, le tome 2, parce que je le vois trop passer sur les réseaux sociaux. J'avais bien aimé le tome 1, donc j'aimerais bien lire le tome 2. Voilà! Donc ça on est à trois tas, vous voyez, trois piles. Et la dernière pile, eh bien en fait ce sont des livres que j'ai lus pendant les vacances. Et euh, il faut que je fasse une petite vidéo, mon avis en 30 secondes. Alors c'est un format que je vous propose. Euh, bon, ça, ça se met à s'assombrir d'un coup, mon mari est en train de jardiner dehors. Je me dis qu'il va se ramasser une petite pluie sur le coin du nez. Euh, oui, donc en fait, vous savez, sur Instagram, je vous propose euh, dans les formats euh, réels euh, des vidéos avec mon avis en, en 30 secondes sur un livre. C'est euh, un petit pari, hein. euh, c'est pas évident. Forcément, euh, ça reste qu'un avis en 30 secondes, donc euh, je survole certaines choses, mais je trouve l'exercice assez rigolo. Et puis, je pense que euh, dans dans une vie, dans un monde, dans un quotidien où tout le monde est à 100 à l'heure, eh bien, sauf certaines personnes, mais bon, mis à part celle-là, euh, je pense que tout le monde a 30 secondes en fait. Donc, euh, donc ça me paraissait être pas trop mal et ça permet de un peu de d'équilibrer de, de, avec des vlogs lectures qui sont toujours un peu longs. Euh, voilà, je vous propose des vlogs lecture quand même globalement Donc euh, Donc voilà, ceux-là, c'est ceux, ceux euh, où il faut que j'enregistre une petite vidéo en 30 secondes. Donc, euh, c'est des livres finis euh, là durant, durant l'été, euh, notamment des livres que j'ai lus euh, pendant mes vacances, mais je vous en ai parlé juste avant. Je ne vous ai pas encore parlé de comme dans un roman d'été, il faut que je le fasse, mais de toute façon, je vais bientôt finir lorsque le dernier arbre. Donc, je vous en parlerai aussi. Donc, au final, ça va être un vlog lecture euh, avec. Peu de livres en cours, mais beaucoup de livres lus. Euh, bah, c'est pas mal. <laughs> euh, voilà. Donc, euh, donc voilà ce qu'il y a sur ma table de salon. Et puis comme vous voyez derrière au niveau des décorations, bah, c'est des, des, des bibliothèques partout. Donc on, on a une, une très belle décoration à manger. <laughs> non mais bon, je, euh, je les laisse là. Ça peut, ça peut faire un peu bazar, mais moi ça me permet de m'organiser. Puis voilà, c'est. Euh, on verra quand les enfants rentreront à l'école et tout, comment, comment je, je rangerai tout ça. Voilà, à plus tard. Alors, on est dans mes bibliothèques de livres à lire. Voilà, 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 voilà. voilà. Hop. Et donc, j'ai prévu de lire euh, Miss Silver. Il est là. Voilà. Alors, je vais enlever celui-ci. La Miss Silver. Euh, entre en scène. Il m'a été offert par Aurélie Steinberger-Nitz. Euh, voilà, je veux dire, un livre. Policier avec du thé, avec une pelote et des aiguilles. C'est quand même juste parfait. Et euh, Estelle de Petite Lectrice organise une lecture commune autour de ce livre à la fin du mois d'août. Donc euh, voilà, l'occasion justement de, de le lire. Euh, donc j'ai hâte. Voilà. Hello, euh, je vous retrouve. On est mardi, mardi 10 août. Je reprends le travail demain. Euh, mais ce n'était pas pour vous parler de ça. Euh, C'est parce que j'ai reçu des choses dans la boîte aux lettres. <laughs> Alors, euh, ça fait peu de temps que je reçois des services presse. Ça fait, au final, ça fait peut-être un an. Voilà. Euh, je me demande d'ailleurs si le premier livre en service presse que j'ai reçu, c'était pas le dernier, l'avant-dernier, Jérôme Loubré, ce qui va faire un peu écho avec ce que je vais vous montrer. Euh, la communauté Bookstagram, Booktube, j'ai découvert tout ça il y a un an, même si je lis depuis un petit paquet d'années. Hein je viens de fêter mes 36 ans, donc... Euh donc voilà euh, ça fait euh, ça fait pas mal de temps que que je lis euh, je je vous partageais déjà mes lectures et tout avant dans des podcasts euh, qui commençaient par du tricot. Euh, je vous partageais un peu mes lectures ça fait peut-être deux ans que je vous partage mes lectures sur instagram, mais c'est vrai que ça fait Enfin, même plus que ça je pense mais ça fait vraiment depuis un an que j'ai découvert toute cette communauté et tout donc euh, en tout cas niveau des services presse bah, je, je je comprends ce que j'ai pu entendre un petit peu et effectivement c'est vrai que j'en ai reçu pas mal chaque mois mais euh, on voyait qu'au mois de juillet euh, bah, il y en avait déjà un peu moins puis c'était notamment des livres de la rentrée littéraire là on est le 10 août j'avais pas encore reçu de, de livres euh, ni quoi que ce soit et puis là, il y en a deux dans la bottelette Donc, euh, c'est donc encore plus la fête, en fait. <laughs> c'est ça. Voilà. moi je me doutais que j'allais recevoir ces livres. Hein. Donc, il y a euh, deux enveloppes. Deux enveloppes. Une de Benoît euh, du Cherche-Midi. Et puis, euh, une autre de euh, Calman Levy. Ah, <laughs> c'est rigolo. Même mis, euh, il y a même mis triple L de mag sur l'étiquette. Voilà. J'ouvre du coup le premier, celui de Canon Levy. Euh, alors faut quand même préciser que je l'ai vu dans pas mal de stories hier et hier c'était lundi. Et en fait la question qu'on se pose avec mon mari depuis un petit moment c'est est-ce que notre facteur travaille le lundi Puisque le lundi on a quasiment rien dans la boîte aux lettres. Euh, voilà, mais là euh, du coup en plus je pense que ça doit pas être notre facteur habituel parce qu'il est passé vachement plus tard. Euh, il est passé une heure et demie plus tard que d'habitude. Donc, euh, voilà. Le nouveau livre de euh, Jérôme Loubry, Les Sœurs de Montmort, par l'auteur des refuges, un fin manipulateur qui aime perdre ses lecteurs pour mieux les retrouver. Voilà, la couverture, elle est, elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Euh, il fait euh, 400 et quelques pages. Je l'ai vu dans plusieurs stories, etc. Et donc il est euh, dédicacé. Voilà, euh, alors Jérôme Loubry, euh, bon je vous en ai parlé euh, plus, il y a plus, à plusieurs reprises, enfin, vous savez c'est un auteur que j'ai découvert à Saint-Maur-en-Poche euh, la dernière fois qu'il y a eu un Saint-Maur-en-Poche, donc c'était il y a deux ans, euh, c'est un auteur euh, vraiment que j'ai découvert à, à la fin, enfin, c'est-à-dire que j'avais pris plein de livres, j'en je, avais partout, j'en avais pour, euh, pour toute la famille en fait, je crois qu'on est reparti avec une vingtaine de livres, et puis quand je regarde tout je me dis... Il me manquerait quand même un thriller, je voulais une découverte parce que j'avais été vers beaucoup d'auteurs que je connaissais et, ou en tout cas dont j'avais entendu parler ou euh, et je voulais vraiment faire moi-même une découverte en fait, enfin, vous savez le truc qu'on espère, c'est-à-dire, euh, enfin moi en tout cas c'est ce que j'espérais, euh, tomber sur un auteur et... Oh, un coup de cœur pour le livre, quoi, et se dire « Ah, bah, je suis contente parce que j'en avais pas trop entendu parler et là, j'ai vraiment beaucoup aimé. » Et c'est ce qui s'est passé, en fait, avec euh, avec Jérôme Loubry. Donc, moi, j'ai vraiment lu ses livres dans l'ordre. Donc, euh, « Les chiens de Détroit euh, ». Ah, oh, j'ai un doute sur le deuxième et pourtant, c'est mon préféré. Euh, J'essaye de, de, de m'aider de mes bibliothèques... Euh, l'oubri 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 Le douzième chapitre, voilà. Le douzième chapitre, c'est mon préféré. Les refuges, qui, euh, qui, c'est un livre qui l'a un peu mis sur les deux, sur le devant de la scène. Moi, j'ai pas, j'ai eu du mal. Ça a été pour moi euh, trop d'horreur, en fait. Voilà, ça a été trop, trop d'horreur sur des enfants. Enfin, je, voilà. Euh, ensuite euh, donc celui de l'année dernière c'est de soleil et de sang euh, que j'ai bien aimé même si ça n'a pas détrôné pour moi le douzième chapitre chacun de ces livres sont vraiment différents en fait je trouve euh, il a pas euh, ce truc d'avoir un schéma avec euh, avec un, un policier qu'on retrouve à chaque euh, à, dans chacun de ces livres non les lieux changent et tout par contre, il s'amuse à mettre un, un clin d'œil à chacun de ses précédents livres. Donc, je vous conseille de les lire dans l'ordre. Euh, je vous assure que quand je suis tombée dessus, quand j'ai lu le 12e chapitre et que j'ai vu qu'il y avait un clin d'œil au chien de Détroit, je fais, oh non! Et quand j'ai lu Les Refuges, ben, j'essayais du coup de trouver les clins d'œil au chien de Détroit et au 12e chapitre, je les ai trouvés. Quand j'ai lu euh, de Soleil et de Sang, j'ai essayé du coup de trouver euh, des, des des clins d'œil à ces trois précédents livres et il m'en a manqué un et donc là bah quand je vais lire celui-ci, je vais essayer de de trouver aussi des clins d'œil à ces livres précédents. Donc comme c'est des livres Totalement différent dans, euh, et qui se passe vraiment pas du tout au même endroit, bah c'est quand même des sacrés clins d'œil. Enfin, ça peut être du style. J'ai ouvert le journal et j'ai appris qu'à Détroit, il s'était passé euh, voilà. Mais c'est, enfin, je trouve ça excellent en fait. C'est euh... C'est-à-dire que ces livres ont beau être tous différents, il y a ce, ce lien euh, et, euh, et puis après voilà, ça vient comme une petite chasse au trésor. Hein, on va chercher euh, le, le, le petit le petit clin d'œil dans le livre. Je trouve ça vraiment extra. Donc je vous conseille vraiment de les lire dans l'ordre. Et donc voilà, euh, ouais, les chiens de détresse pour moi ça a été une, une sacrée découverte. Euh, J'étais très contente euh, d'être arrivée. Enfin euh, vraiment, je vous dis, c'était. J'allais partir euh, de Saint-Maur en poche avec tous mes livres et je me suis dit non, il me faut un dernier thriller. Euh, je, je, euh, il était là, euh, j'ai pu échanger avec lui. Ça m'a donné envie de prendre un de ses livres, euh, et de, en l'occurrence le premier et le seul qui était en poche à ce moment-là. Et, euh, et voilà. Et du coup, derrière, eh ben, je j'ai bien accroché. Enfin, bon, bref. Donc, euh, donc voilà. Donc j'ai euh, assez hâte. Euh, donc là, c'est mis dans la lignée des refuges un thriller stupéfiant à la construction aussi originale qu'habile qui vous fera douter de vos certitudes à chaque page un nouveau coup de maître. Donc ça me donne l'impression que ça va être encore un, enfin, quand même un sacré un sacré livre. Euh, les refuges, enfin, je, je comprends que les gens aient aimé, mais euh, moi non, enfin moi c'était pas. C'était trop. C'était trop, j'y arrivais pas. Voilà, donc, euh, donc je suis trop contente. <laughs> ah je suis contente, je vous dis, j'arrêtais pas de voir des stories, en plus je en vacances, donc euh, je regarde beaucoup de stories sur, euh, sur Instagram. Oh je voyais passer, je voyais passer et j'avais hâte. Euh, alors, maintenant, cherche midi. Donc là je crois qu'il y a un livre et donc je sais pas lequel c'est euh, j'hésite entre enfin, il y a un livre et ah, ah, ah c'est happy fucking christmas Day. Dear Yannette Jeannette, pardon, je, je parle pas très bien anglais, vous l'avez remarqué, de Lucie euh, Bridge. D'ailleurs, ça va être sympa de, de vous répéter et répéter le titre du livre euh, dans mes vlogs euh, quand je le lirai. Donc euh, voilà la couverture qui, euh, qui interpelle. Moi hein. bon, écoutez, il y a du vert, elle porte un tricot, euh, donc euh, voilà quoi, elle, enfin... Je ne sais pas, ce, ce, ce chien porte un tricot. Donc euh, voilà, forcément c'était pour moi. Euh, alors, donc il y a un petit papier. Euh, un petit papier, un petit communiqué de presse. Alors, il sortira le, le 7 octobre, donc pas tout de suite. Euh, un premier roman salué par une critique unanime, idéale pour tous ceux que les gens heureux horripilent. C'est ça, c'est ça qui est très drôle donc' euh, c'est euh, un livre que j'ai vu passer euh, dans les stories euh, du cherche midi ou du Conte de benoît je sais plus et euh, c'est ça il en a partagé des extraits et tout et euh, ça donnait vachement envie et ça enfin voilà je, ça donnait envie de d'en de, savoir davantage et donc euh, donc j'étais super contente quand il me l'a proposé et euh, donc c'est un livre qui fait euh, quasiment 300 pages j'aime J'aime vraiment beaucoup les livres du Cherche Midi. Alors, j'ai découvert le Cherche Midi euh, avec, enfin, euh, très récemment, mais je vous dis, je suis sur la communauté Bookstagram euh, euh, de façon très récente. Et en fait, j'ai découvert avec Alabama 1963, voilà, qui a été mon coup de cœur de la rentrée littéraire euh, de l'année dernière. Et, euh, et du coup, bah, j'en ai, j'ai lu quand même plusieurs livres euh, du Cherche Midi. Et j'aime, euh, alors je, ce qu'il propose, enfin je trouve que c'est, enfin vraiment les, les livres que j'ai pu lire pour l'instant euh, du Cherche Midi, euh, j'ai toujours beaucoup aimé, euh, même si euh, je suis loin de lire euh, tout ce qui sort, hein, on est d'accord, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, euh, c'est alors déjà la couverture, etc, etc, mais euh, j'aime euh, le livre en fait, j'aime les livres, j'aime le format des livres, j'aime euh, l'intérieur, le, le papier, j'aime... Euh, les, euh, la, la police de caractère utilisée. Et puis, j'aime euh, les, les, les têtes de chapitre parce que c'est toujours une autre police de caractère. Et, euh, voilà, je... Ça ne s'explique pas, mais j'aime les livres du Cherche-Midi. quoi voilà Comme s'ils étaient plus livres, enfin je ne sais pas, il y a un côté euh, presque vintage. Euh, c'est des. des... Or, oh, bah, je ne saurais pas vous dire si je compare avec celui de kalman Levy Ah ouais, mais celui de kalman Levy il est pas mal et puis on, on sent euh, quand on passe le doigt, on sent les euh, on sent les, les, les caractères. Bon, voilà. Donc euh, voilà deux livres, donc celui-ci euh, rentrée littéraire, il sort Ah, euh, je crois qu'il sort le 20, 25 je crois. Voilà, et puis euh, celui-ci qui sortira donc le 7 octobre. Donc celui-là, je le lirai euh, au mois de septembre. Celui-ci, faut que je le case, il hein. faut que je le case avant qu'il sorte, on est d'accord. Hein. <laughs> Donc ça va rejoindre ma fameuse pile euh, dont je vous parlais hier. Bon, voilà, c'était à la base c'est pour faire un petit unboxing. Euh, je voulais vraiment passer ma journée à lire hier, c'est ce que j'ai fait, j'ai lu et tricoté. Euh, je voulais faire pareil aujourd'hui, mais écoutez, comme je vous parle, je vais, vous... je vais continuer avec un petit, euh, mon avis sur, sur deux livres que j'ai finis. Euh, voilà, je reviens. Alors justement en parlant des livres du Cherche Midi, je pensais aussi à celui-ci comme dans un roman d'été parce que j'ai vraiment énormément apprécié euh, le livre, la police de caractère, l'épaisseur des pages, etc. Et en plus de ça, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'histoire et j'aime cette couverture. Et en fait... Alors là, la couverture euh, de celui que je vous ai montré, bon, elle, est, elle, elle interpelle hein, quand même, hein, mais euh, mais c'est pas tout à fait la même chose que. Euh, il y a, y a celui-ci, Bénit de Verte, euh, entre autres. Où, euh, ça, en fait, si on doit parler vraiment de, de, de du côté euh, communication sur ces lectures, ça, en fait, les couvertures, elles sont tellement belles que c'est hyper facile de faire une photo sympa avec euh, avec ce, ce, ces couvertures en fait c'est à dire que il faut juste enfin peu importe où on met son livre peu importe euh, voilà que ce soit n'importe où sur euh, sur une, un beau décor ou, ou dehors ou n'importe où je trouve que la, la, la couverture elle fait tout elle est elle est superbe les couleurs j'adore enfin voilà mais c'est pas ça qui fait le livre alors euh, donc ce livre je l'avais reçu également en service presse et en fait euh, euh, je sais pas si euh, c'est encore disponible en story à la une, mais euh, en fait sur euh, sur le compte Instagram de du Cherche Midi, euh, Benoît avait fait euh, euh, des petits euh, euh, un petit teasing un peu enfin euh, c'est pas un teasing mais un, une sorte de petit résumé enfin des des stories autour de ce livre et ça m'avait pas mal attiré alors on comprenait que c'était un livre qui pouvait être un peu euh, style euh, comédie romantique mais pas trop. Euh, c'est-à-dire euh, tout n'est pas rose, euh, c'est pas euh, conte de fées, etc. Enfin voilà, c'est pas poussé à l'extrême dans cette dans cette catégorie-là. On le comprenait assez vite au niveau de, de je trouve de, de comment euh, euh, la communication a été faite autour de ce livre. Et euh, et puis enfin moi je suis pas partie dans ce livre en me disant euh, c'est euh, c'est une comédie romantique, voilà ce qui va se passer et je le sais déjà. Pas du tout. Et euh, et alors enfin je je, je le précise parce que certaines personnes en fait n'ont peut-être n'avaient peut-être pas vu ça et, et s'attendaient vraiment à un livre très comédie romantique ce qui fait que les personnes ont été surprises de pas tomber dans une comédie romantique et moi à la limite je m'étais attendue presque à, à, à pire dans le sens plus tragique etc et si bien qu'à un moment donné je dis ah oui non en fait on est un petit peu plus comédie romantique que ce à quoi je m'attendais voilà, je ne sais pas si ça peut vous aider à vous donner le, le genre, le style de ce livre. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, j'ai passé un très bon moment de lecture. En fait, c'est euh, euh, c'est un livre autour d'écrivains au pluriel. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Euh, Enfin voilà, je vous le dis assez souvent, le, 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 le process de l'écriture, j'ai aucune idée, hein, j'ai pas d'imagination, je, je suis nulle en écriture, je, je. enfin voilà. Mais je suis très attirée par le process euh, de l'écriture, par l'organisation, par ce métier très particulier, voilà, je vous le dis à chaque fois, je pense. Et, euh, et donc des livres autour d'écrivains, ça m'attire euh, énormément. Et en plus, ça doit être extrêmement vendeur puisque euh, Guillaume Musso euh, eh bien, euh, a souvent quand même des écrivains euh, dans ses livres. Quoi. Donc, euh, je pense que je ne dois pas être la seule à apprécier ça. Donc là, on suit euh, Januari, c'est son prénom, Januari Andrews, euh, qui, euh, qui a publié euh, pas mal de livres euh, dans, dans la catégorie de comédie romantique, justement, euh, elle, euh, elle aime bien les belles fins et puis globalement, elle a. C'est comme ça qu'elle voyait sa vie en fait, euh, comme un conte de fées. Même si, même si il y a des choses qui ont été compliquées, notamment euh, euh, par rapport à la, à la santé de sa maman, etc. Eh bien, pour elle, il y avait toujours ce truc. Enfin, euh, elle était un peu. Enfin voilà, comme ça. Enfin, c'est euh, comédie romantique, euh, des, des jolies histoires euh, et ça se finira toujours bien, etc. Voilà. Sauf qu'en fait il va se passer quelque chose dans sa vie. Et euh, tout ça, ça va s'effondrer quoi. Enfin, euh, voilà, tout va s'effondrer. Euh, C'est des, des, des coups durs, des mensonges, et euh, alors qu'elle avait tout, euh, elle se retrouve... Alors je vais pas dire qu'elle n'a plus rien, mais euh, en tout cas son monde s'est effondré, et puis euh, une partie de sa vie aussi, en tout cas. Euh, voilà. Et puis, elle, euh, elle va se, elle va se retrouver dans une maison. Bon, je, enfin, j'essaye au passage de lire euh, la, la quatrième de couverture pour pas trop vous spoiler, mais bon, je, je vais essayer de rester le, le, le plus vague possible parce qu'il y a pas mal de choses qu'on qu découvre vraiment dans le livre, et puis vous savez, moi, je, j'aime pas trop lire les, les quatrièmes de couverture. Euh... Je me fais vite une idée pour savoir si ça peut me plaire ou pas, mais après, je, je veux en savoir le moins possible. Euh, donc, euh, bon, en gros, elle arrive dans une maison, elle est un peu, enfin, pour certaines raisons, et puis euh, elle se dit qu'elle va un peu recommencer sa vie quelque part, ou euh, en tout cas faire du ménage, enfin, bon, se, faire une coupure, au moins faire une coupure. Et puis elle se retrouve euh, avec un voisin. Qui va avoir un peu plus de place euh, dans sa vie parce que parce qu'ils vont communiquer etc et euh, ils vont même euh, se lancer un défi voilà et donc euh, donc du coup ça ça va être assez intéressant un défi littéraire euh, un défi autour de l'écriture d'un livre et ça ça va être vraiment super chouette voilà donc euh, donc c'est c'est très intéressant parce que euh, on est vraiment pris dans l'histoire. Les personnages sont forts, vraiment. Je les trouve, euh, je les trouve vraiment bien. Enfin, euh, euh, je les trouve très attachants. Euh, on a envie de savoir ce qui va se passer. C'est un, un livre qui se lit plutôt vite. Euh, C'est, euh, euh, on s'attache. Enfin. Euh, on n'est pas dans un monde tout rose. Euh, on n'est pas dans un monde catastrophique non plus. Mais euh, c'est des personnages totalement crédibles avec leurs qualités, leurs défauts. On s'attache à eux, même si de temps en temps on aurait envie de les brusquer, même si de temps en temps on se dit bah non, quand même, t'aurais pas dû faire ce choix-là. Enfin, voilà. Et puis euh, on va, enfin on va les accompagner et, et euh, malgré leurs leur défauts, on s'attache à eux et on, es, on, on espère que. que que tout va bien se passer, euh, on espère que qu'ils vont réussir à guérir leurs blessures, euh, etc. Donc euh, voilà vraiment très prenant et, et un côté euh, très très humain en fait, euh, ce qui est toujours assez rigolo parce qu'on parle de, de personnages hein, quand même. Hein, mais euh, mais voilà. Et alors cette Januari, ne serait-ce que son prénom, c'est assez original. Voilà. Donc, euh, donc je vous le conseille, vraiment je vous le conseille. Et, euh, parce que c'est parce que vraiment un, un chouette livre et on passe un, un bon moment. D'ailleurs à l'intérieur j'avais le communiqué de presse. Euh, la semi comédie romantique d'exception, comme dans un roman d'été, est aussi une réflexion passionnante et pleine euh, euh, d'humour sur l'art d'écrire porté par des personnages attachants et dont la vivacité d'esprit imprègne tout le roman, je suis entièrement d'accord. Voilà. Donc. Euh, euh, voilà, du coup pour, euh, pour celui-ci. Et alors, le dernier livre que j'ai terminé, c'est celui-ci. Je l'ai fini hier. Euh, alors, euh, je ne vais pas pouvoir trop vous en parler parce que c'est un livre de la rentrée littéraire. Il sort le 18. Euh, donc, c'est le premier que j'ai lu et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, c'est euh, marrant parce que je l'ai lu euh, juste après celui-ci. Où, euh, je vous dis les personnages sont attachants, c'est, enfin je trouve que c'est une, une sacrée histoire, c'est vraiment complet, c'est pas, un... ça fait pas un livre écrit à la va-vite, en fait, c'est c'est un peu plus complexe que ça et tout. Bon alors là je peux vous dire la même chose mais un niveau au dessus mais ce qui est normal puisqu'on est sur, euh, on est sur un sacré truc. Enfin, en fait ce livre, euh, je peux pas vous dire que c'est, euh... enfin il y a des livres comme euh, euh, le, le Eric Emmanuel Schmitt avec euh, Paradis Perdu où euh, je pense au livre d'Éric Foissier, euh, le premier tome du Bureau des Affaires occultes. Il a fallu que je me lève parce que j'arrivais pas à lire le titre euh, ici. Euh, et en fait, c'est aussi un premier tome comme celui d'Éric Emmanuel Schmitt. Et je trouve que c'est euh, le style de tome, alors sur des registres totalement différents et tout, mais le, le style de livre où on se dit, Waouh on est sur la, le premier tome d'un sacré truc là. Enfin, on voit que euh, on vient de lire euh, quelque chose qui est, qui est complet, qui va se développer, qui est que tout, tout, enfin, ou un livre complet en fait, vraiment euh, euh, complet, complexe, euh, avec énormément de choses euh, très euh, euh, j'ai pas d'autre terme que complet c'est c'est nul de décrire un livre comme ça mais en tout cas euh, un, un peu un peu comme les Ken Follett avec la trilogie du siècle quoi c'est des livres où on se dit ça n'a pas été écrit euh, vite fait euh, à la va vite euh, 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 pour pour la sortie annuelle de son livre ou je sais pas quoi ou bon Agatha Christie qui est quand même mon autrice préférée elle a déjà écrit et, enfin ça lui est arrivé euh, d'écrire quatre livres sur une année donc euh, voilà on n'est pas on n'est pas sur le même style ah, c'est une prouesse hein, on est d'accord mais c'est pas le même style de livre du coup c'est là euh, ce que je ce dont je vous parle c'est des livres où wow, on s'en prend plein la figure c'est euh... C'est des sacrés trucs, quoi. Et avec ce livre-là, c'est la même chose, sauf qu'on n'est pas sur un premier tome. Donc, euh, donc tout est compris dans le livre, en fait. Il n'y a pas besoin de se dire tiens, je vais attendre une suite. Pas du tout. Tout est, tout est dans le livre. Et euh, et voilà. Donc euh, bon, je ne peux pas vous en parler plus que ça, mais euh, mais c'est c'est ah euh... oh la vache, c'est un sacré truc. Fresque familial, roman social écologique, c'est tout à fait ça. Euh, on va, on va partir en 2038, on va partir en 1934, on va voyager dans le temps, on va suivre une famille. On, on, la construction est hyper intéressante, c'est très puissant comme construction. Euh, les personnages sont, sont très forts, sont très attachants, sont, sont euh, pareils, ils sont ni tout blancs ni tout noirs, euh, mais extrêmement attachants et on, on vibre avec eux et on s'attache à eux, et un moment donné, il y a, il y a comme... Euh, je, enfin, je vais pas dire c'est pas une course-poursuite, mais en tout cas, il y en a un qui en cherche un autre. Et quelque part, on pourra se dire, il y a, il y a le gentil et le méchant. Et en fait, les deux sont attachants, quoi. Enfin, c'est... Euh, voilà. Donc, euh, bon, je, je vous en dis pas plus que ça. Euh, je, je me demande si je ne ferai pas une petite vidéo sur les livres de la rentrée littéraire, une petite vidéo à côté. Une fois que j'en aurai lu plusieurs, quoi. Ça pourrait peut-être être intéressant parce que là, bah, je le lis, puis en fait, je vous en parle pas. Et puis comme je fais pas de vidéos sur les livres lus, comme je ne fais plus de vidéos sur les livres lus et tout, ça veut dire qu'en fait, je vous en parlerai pas du tout sur YouTube, ce qui est dommage, euh, surtout pour ce livre. Donc, euh, donc peut-être que je vais faire ça. Je me les garde de côté, puis je vous, je vous ferai un petit retour. Voilà, et eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que c'est déjà pas mal. Alors, je continue à lire. Hein. Je lis beaucoup. Hier, j'ai lu, je suis contente, j'ai lu 350 pages hier. C'était bien. C'est une sacrée journée de vacances. Aujourd'hui, je, je pense que je lirai moins que ça, mais, euh, mais je vais essayer de pas mal lire aussi. Déjà, un, parce que j'ai beaucoup de livres à lire, et deux, parce qu'au niveau tricot, je, 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 je suis en train de tricoter un pull en jacquard. Donc, c'est un pull avec plein, plein de couleurs. Et, euh, et je me suis plantée sur 20 cm du pull qu'il a fallu que je détricote, donc euh, de façon très concrète, ça représente plusieurs dizaines d'heures de tricot qu'il a fallu que je détricote parce que je me suis plantée et donc euh, j'ai une deadline, il faut que je me dépêche. Donc euh, voilà, ce qui fait que euh, j'ai beaucoup de tricot, beaucoup de lecture et c'est nickel, ça me permet de faire des sacrées séances de tricot-lecture. Euh, voilà, et eh bien c'est tout, donc oui je vous parlerai de ce que je lis. Donc là je suis en train de lire le, le premier tome de Lady Rose mais je l'ai bientôt fini, donc je vous ferai un petit retour dessus. Et puis euh, voilà, on, on continuera un petit peu. Je ne suis pas prête à clôturer ce vlog parce que je n'ai pas envie de le monter tout de suite. Donc euh, je le laisse ouvert et je viendrai vous retrouver pour, euh, pour vous parler à nouveau de livres. Je pense que ça va être un, un sacré vlog sur, euh, sur des lectures finies et pas des lectures en cours. Quoi. Voilà, à plus tard. Alors, je vous retrouve, on est euh, vendredi en fin de journée. Euh, je m'excuse d'avance si vous entendez du bruit. Euh, mon voisin est en pleine euh, discipline olympique, euh, c'est sa préférée. Ça consiste à, à couper du bois et après à le lancer sur notre mur. Voilà. Donc, c'est pas pour vous parler de ça. C'était pour vous parler lecture. Et donc, j'ai terminé le premier tome de la série Lady Rose, qui est la nouvelle série de MC Beaton. Donc, MC Beaton, c'est un pseudonyme. C'est, euh, l'autrice qui a écrit la série des Agatha Raisin et des Amish Macbeth. Euh, elle a écrit beaucoup, beaucoup d'autres livres. Je vous invite à aller voir sa page Wikipédia, qui est assez euh, impressionnante, je trouve. Et dans cette série, Lady Rose, il y en a quatre. Alors, je sais pas s'il n'y en a que quatre. Ou euh, si pour l'instant il y en a quatre prévus, donc il y en a deux qui sont actuellement sortis, il y en a deux qui doivent sortir. Euh, je ah, ouais, elle me s'est mis les deux dernières enquêtes. Je me demande si au final il n'y en aura pas que quatre. Bon, donc euh, Lady Rose, euh, c'est euh, c'est une série de cosy mystery, mais totalement différente d'Agatha Raisin puisque euh, Lady Rose est jeune. Euh, Agatha Raisin euh, n'est pas aussi jeune. Euh, ça se passe. Euh... Alors l'année n'est pas décrite expli explicitement, mais il y a des éléments qui peuvent nous permettre de, de nous aider. Par exemple, qui est sur le trône euh, britannique euh, Ou euh, qu'est-ce que je m'étais aidée d'autre chose, je crois. Ah oui, de de. On a un personnage qui revient d'une guerre. Et euh, Alors moi qui me parle pas, hein, mais euh, du coup j'avais été... La guerre des Bores, Bors, je sais pas comment on dit. Et donc j'avais été voir les dates euh, pour m'aider un petit peu. Donc on est vers euh, 1905, je pense. Puis il y a les histoires de suffragettes aussi. Et donc euh, Lady Rose, eh bien, euh, c'est... Euh une jeune fille qui a une sacrée personnalité, pas du tout en accord avec son époque. Malheureusement pour ses parents, elle est éduquée dans le sens où elle, elle a des notions de maths, elle a, elle a mis son nez dans ses livres, etc. Et donc, ça veut dire qu'elle a un peu trop de connaissances pour une femme, ce qui fait que dans son langage, dans ses discussions, elle peut faire référence à des qu'une femme n'est pas censée savoir donc pour ses parents c'est un peu euh, un gros point noir quoi et c'est ce qui pourrait expliquer aussi que euh, bah en fait elle euh, elle euh, elle a fait son entrée euh, dans, dans le monde enfin dans la haute société londonienne comme c'est écrit dans la quatrième de couverture et ça a été un peu un échec euh, voilà donc euh, elle se laisse pas faire et tout ça mais euh, elle le paye parce que ça se fait pas à cette période là euh, voilà donc euh, donc voilà un peu la personnalité de Lady Rose. On a d'autres personnages comme le capitaine Harry euh, Cascarte, je sais pas comment on dit, euh, aristocrate désargenté qui se prend de passion pour euh, les enquêtes. Alors euh, il n'enquête pas sur euh, 50 000 meurtres, mais euh, il a eu des petites choses à faire et tout. Puis ça lui a plutôt plu. Donc, euh, donc en fait, euh, son nom commence un peu à circuler euh, dans euh, les euh, les personnes euh, euh, un peu de, de la haute société. Et puis euh, il a deux trois petites choses à résoudre. Euh, des... Euh, par exemple, enquêter sur le passé de quelqu'un, etc. Voilà, ces deux personnages vont se rencontrer. Euh, forcément, ils vont un peu s'agacer, etc. Mais euh, on espère qu'ils vont plus s'agacer. Euh, il y a un meurtre qui, qui euh, se passe. Enfin, il n'y en a pas qu'un seul, d'ailleurs, euh, au milieu d'une réception. Alors, euh, donc ça, c'est un petit peu euh, le contexte. Euh, c'est pas euh, un excellent roman policier. Euh, c'est, euh, on retrouve. Euh, euh, alors pas des côtés d'Agatha parce que Lady Rose d'Agatha elle, mise à part le fait que ce soit des femmes qui se laissent pas faire, Bon, il n'y a pas énormément de, de points communs, mais au niveau en tout cas de du style, d'histoire, du dénouement, etc. Bon, il peut y avoir quelques similitudes. Euh, donc euh, voilà, c'est pas c'est pas un excellent roman policier, euh, mais on passe un très bon moment. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ça se lit euh, assez vite. On a même envie de lire la suite. Je trouve une fois qu'on a qu'on a terminé ce livre euh, grâce à un petit épilogue qui fait une ouverture et on se dit tiens, j'aimerais bien aller plus loin. voilà. Euh, et euh, alors, ça s'appelle les enquêtes euh, de lady rose. mais c'est pas la seule qui est là. voilà, elle est vraiment entourée, euh, et euh, les, les, notamment par deux personnages. donc, je vous ai parlé de, du capitaine harry euh, cascart. il y a également un autre personnage qui euh, ont quand même une belle part dans l'histoire. Voilà. C'est un livre que j'ai lu euh, en lecture commune avec Elodie Universe et c'était super sympa de le lire avec elle. On avait euh, à peu près le, le même rythme de lecture et c'était très chouette de, de finir un chapitre et de se dire un peu ce qu'on en avait pensé. Donc euh, voilà pour les livres terminés. Donc j'ai terminé avec les livres terminés pour ce vlog. Euh, je vais vous parler de mes lectures en cours. Donc j'en ai trois en cours. Celui-ci que j'ai pas du tout avancé dans ce vlog. Celui-ci, je revenais des autres de Melissa Dacosta chez Albin Michel. C'est le dernier qui est sorti, mais en fait c'est le premier qu'elle avait écrit. Euh, c'est un livre qui se lit bien, je trouve. Alors euh, donc tout le bleu du ciel, c'est le premier qu'elle avait écrit. Euh, non, enfin. Du coup c'est pas le premier qu'elle avait écrit mais c'est le premier qui est sorti. Euh, j'avais bien aimé mais euh, j'avais vraiment laissé un peu traîner, c'est un pavé de 800 pages, je trouvais le rythme un petit peu lent, mais bon euh, après quand j'arrivais à prendre le temps de me mettre dedans, euh, je faisais défiler les pages et ça se lisait plutôt bien. Le deuxième qui est sorti, c'est le premier que j'ai lu, ça commence à devenir compliqué, hein, entre l'ordre d'écriture, l'ordre de sortie et l'ordre de lecture. Euh, donc c'est le premier que j'avais lu, euh, j'avais été euh, très émue par, euh, par l'histoire. J'avais bien écroché, accroché avec l'écriture. Et euh, pour l'instant, c'est mon préféré. Et alors, celui-ci, je me demandais si j'allais accrocher avec l'histoire. Avec pas avec l'écriture, pardon. Avec l'écriture, il n'y a pas de souci. Avec l'histoire, parce qu'en fait, on suit euh, Ambre qui a 20 ans et qui a une relation avec Philippe, 40 ans. Philippe est marié, il a deux enfants. Et puis, euh, ça dégénère un peu. Enfin, euh, disons qu'elle s'accroche. Euh, et puis, lui... Euh voilà comme on peut l'imaginer euh, euh, il euh, il veut pas lui faire du mal mais il la laisse pas tomber il, il il va pas lui faire miroiter des choses mais en même temps il voit bien qu'elle s'en va et puis il va pas la calmer enfin bref ça c'est un peu du grand n'importe quoi et puis à me donner, euh, il l'envoie un peu loin de chez lui, <laughs> euh, enfin loin, enfin pas si loin que ça, mais bon, il l'isole, on va dire, ça fait un peu ça. Il l'isole, il lui trouve une solution pour l'isoler du monde. Euh, donc euh, voilà, ce, ce contexte un peu, euh, bah, je, je savais pas trop. Euh, ce que, je sors de Lady Rose avec une forte personnalité. Bon, bah là, on n'est pas sur la même chose en fait. C je vais pas dire que ça avait posé des questions sur la place de la femme, mais bon, il y a des choses qui. Voilà. Je n'étais pas forcément. Enfin, euh, euh, je me demandais si j'allais accrocher par rapport à ce type d'histoire. Et au final, j'aime bien, euh, pour l'instant, j'aime bien. Alors, euh, j'ai lu ça. Et il me reste ça. Pour l'instant j'aime bien, j'aime bien la tournure que prend l'histoire. Euh, je... Autant le début m'a peut-être un peu agacé, autant il y a certaines scènes qui m'ont un peu agacée aussi. Euh, mais euh, mais j'aime bien, elle se retrouve euh, à faire une saison d'hiver en fait, et euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt sympa euh, les rencontres qu'elle peut faire, etc. Euh, donc voilà, je vais continuer avec, avec plaisir, même si je l'ai mis un petit peu en pause pour... Avancer euh, celui-ci, euh, la fabrique des souvenirs de Clélia Renucci. Euh, qui est donc un livre de la rentrée littéraire qui sort la semaine prochaine. C'est un livre que je lis en lecture commune aussi avec Elodie Universe, même si euh, je, je suis euh, un petit peu moins présente euh, parce que j'ai repris le travail mercredi, donc euh, je je lis un peu moins. Euh, et puis j'étais pas bien hier soir euh, non plus, donc j'ai pas autant lu que ce que je voulais. Mais voilà, pour l'instant j'ai lu ça et il me reste ça. Euh, C'est un livre qui est assez au cours, euh, les, euh, les pages elles sont pas hyper fournies, mais écoutez, pour l'instant ça, ça se lit bien. Je vous en parlerai un peu après. Euh, euh, je veux déjà me faire mon avis, je veux déjà bien le lire, voir, et puis je vous en parlerai de toute façon quand il sera fini. Ça, c'est clair, je vous en parle pas. Enfin, quand il sera sorti, pardon, je vous en parle pas avant. Voilà <laughs> Bon je vais m'arrêter là parce que j'ai un peu de mal à, à, me, à me concentrer. Euh, J'espère que ce vlog vous a plu. Euh, en tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver sur cette partie lecture. J'avais pas mal de choses à vous dire et tout. Euh, donc après, euh, au niveau du rythme, euh, bon c'est toujours un peu pareil. Il faut que je trouve un peu mes marques. Puis bon, c'est l'été, donc c'est un peu, un peu particulier. Euh, non pas que j'ai du temps à revendre, mais il euh, y a tout. Enfin, je suis jamais toute seule en fait, donc euh, à la maison. Donc, c'est, faut juste que j'arrive un petit peu à, à m'organiser. Euh, sur la partie euh, tricot, je vais faire une petite pause concernant les vlogs parce que ils n'ont pas. Euh, alors, j'allais dire qu'ils n'avaient pas eu des bons retours. C'est pas ça. C'est que j'ai eu vraiment des commentaires, euh, beaucoup de commentaires euh, très, très désagréables et euh, et pour l'instant, ça m'a un peu. Euh, bon, je n'ai pas, pas trop envie en fait de de faire euh, beaucoup sur les vlogs tricot donc euh, je vais peut-être faire une petite pause je, je sais pas encore <laughs> mais, euh, mais je vous retrouverai avec plaisir sur les vlogs lecture surtout que j'ai pas mal de choses à vous dire donc euh, voilà on verra un peu comment comment tout ça s'organise je vous souhaite du coup de très bons moments lecture et euh, bah écoutez je vous retrouve bientôt